Cette histoire n'est pas une vieille histoire, ce n'est pas une légende venue du fond des temps, c'est une histoire toute neuve encore, et pourtant, déjà, elle court sur toutes les lèvres des gens de mon pays. Les pêcheurs la racontent en ravaudant leurs filets sur les grandes plages, d'autres pêcheurs la chantent en levant l'ancre, et la chantent encore quand le bateau quitte le port. Peut-être est-ce un jeune berger qui gardait ses moutons au bord de l'eau, qui l'a recueilli. L'histoire a volé de troupeau en troupeau. Maintenant, les bergers du Sahel se la comptent de bouche à oreille, et les bergers du Sud la chantent le soir, à l'heure où se rassemblent les troupeaux. Car cette histoire, c'est une belle histoire des femmes de mon village. Mon village est au bord de la mer, quelque part entre Sousse et Sfax. Et c'est la mer qui le nourrit. Mon village est blanc, entre le bleu du ciel et le bleu de l'eau, et tout y est tourné vers la mer. Les premiers jouets des enfants de mon village ont forme de bateau. Les premières œuvres qu'ils forgent de leurs mains dans de vieux bidons ou des boîtes de conserve, ce sont des bateaux. Et bien avant que la barbe ne les gratte au menton, c'est sur les barques de leur père, à l'abri du port, qu'ils apprennent leur métier d'homme, la pêche. Ainsi, depuis des siècles et des siècles, depuis beaucoup plus longtemps que mémoire d'homme, les barques chaque matin quittent le port. Barques fragiles aux longues rames chargées de lignes ou de filets, elles s'en vont vers les premiers rochers, les premiers bancs de sable. À quoi bon aller plus loin? Le poisson est là, qui les attend. La ligne ou l'épervier solitaire, les filets que l'on pose en groupe, et chaque soir ramène les barques au creux du port, qui chaque soir semble se fermer comme un coquillage sur ses perles de bateau. Bonne journée, mauvaise journée, la pêche est suffisante pour nourrir la famille. On peut même aller vendre un peu de poisson à la ville et regagner la douceur des maisons et les sourires des enfants. Thank you.
Le seul luxe du village, ce sont les anneaux d'or que les femmes portent aux chevilles. Poisson après poisson, les hommes ont économisé l'argent de ce cadeau. Et les vieilles femmes savent elles-mêmes, au cimetière, à quel moment il faut qu'elles les transmettent à leurs filles ou à leurs brus. Ainsi s'écoulait, tranquille, la vie de mon village. Et puis, un jour est venu le gros bateau. Le gros bateau au moteur bruyant. Il a traîné jour après jour son chalut tout près de la côte, raclant toutes les longues bandes de sable. Bientôt, les pêcheurs de mon village rentrèrent avec des barques vides. Le poisson avait déserté les fonds. Alors, les enfants de mon village connurent la faim. Un jour, les hommes en ont eu assez de lever les filets vides. Ils se sont réunis sur la place et ont envisagé les solutions. Certains jeunes voulaient prendre à l'abordage le chalutier qui avait ruiné la côte. Peut-être avait-il raison, la colère est parfois utile, c'est la tempête qui brise les rochers. Les vieux plus sages souhaitaient discuter plus longuement, faire entendre raison au propriétaire du chalutier. Peut-être aussi avait-il raison, c'est le murmure des flots qui use les galets les plus durs et en fait le sable des grèves. Colère des uns, sagesse des autres, un accord intervint. Le propriétaire du gros bateau était le marieur de la ville voisine. Son intérêt était d'acheter le plus de poissons. Et chaque matin maintenant, une corde fut jetée derrière le chalutier à son passage devant le port. Les barques s'y accrochaient et vogue la galère vers de nouveaux lieux de pêche à 25 km de là. Et le soir, ramenait au village le même chapelet de barques. Le travail était plus long et plus difficile, les gains des pêcheurs moins élevés, mais ça, c'est le progrès, a dit le propriétaire du chalutier. Alors, cela c'était jusqu'à ces dernières années. Et puis, fruit des tempêtes populaires et du labeur patient et têtu de certains, est né notre pays indépendant, espoir de tous les hommes de Tunisie. Mais les difficultés n'étaient pas terminées, car le premier matin de notre indépendance, le chalutier ne vint pas, la mer resta vide, toute la journée on l'attendit. Les hommes apprirent que le propriétaire avait décidé d'aller vendre ses bateaux et de rapatrier ses capitaux dans son pays. Sans bateau à moteur, comment rejoindre les lieux de pêche? Faire 25 km le matin, 25 km le soir à la rame, impossible, la journée n'y suffirait pas. Les jeunes dirent, il est venu chez nous avec un bateau, il en a 6 à présent, il faut l'obliger à nous en laisser un. Mais les vieux dirent, d'abord voyons le propriétaire. Et l'on choisit pour cela Ali qui connaissait les usages, Ahmed qui était commerçant et saurait discuter argent, le vieux Sassi qui se taisait et écoutait toujours, mais n'en pensait pas moins. Ils s'en allèrent à la ville voir le propriétaire des bateaux. Thank you.
L'entrevue fut longue. Vous voulez garder un de mes bateaux? Payez 4 millions comptant. Sinon, mes bateaux s'en vont. 4 millions comptant. Payé? Avec quoi? Le retour de nos trois amis fut triste. Et les hommes réunis décidèrent de s'adresser à une banque. Nos trois amis s'en retournèrent vers la ville. La discussion fut longue et laborieuse. La banque voulait bien prêter l'argent, mais avec des garanties, des hypothèques. Les trois amis revinrent pour annoncer la visite prochaine d'un expert envoyé par la banque. L'expert visita le village pour dire ce que pouvait donner une hypothèque sur toutes les maisons. Et l'expert fit la moue. Des maisons de pisée blanchies à la chaux, 500 000 francs d'hypothèque sur l'ensemble des maisons du village. Alors on décida de montrer à l'expert les barques du village, mais l'expert fit la moue. Des barques de bois marchant à la rame, 500 000 francs d'hypothèque sur l'ensemble des barques des pêcheurs. $500 000 et $500 000, cela ne faisait qu'un million. C'est cette nuit-là que les hommes décidèrent d'abandonner le village pour aller ailleurs chercher du travail. Abandonner le village. Le village, ce n'est pas seulement le port, les maisons. C'est aussi tous ceux qui ont fait le village par leur sueur et par leur sang, tous ceux qui sont là maintenant sous les tombes blanches, grises ou ocres. Et cela, les femmes le sentent peut-être plus que les hommes. C'est pour un dernier adieu qu'elles se sont réunies par petits groupes au cimetière. Et les femmes sentent sur elles et leurs familles peser la tristesse d'un avenir jeté au gré des routes. Ceux qui vivent de la mer savent qu'une algue qui s'accroche à son rocher est une algue vivante, tandis qu'une algue qui quitte son rocher est vite une algue morte. Une algue qui s'accroche à son rocher est une algue vivante. Une algue qui quitte son rocher est vite une algue morte. Et ce sont les jeunes filles de mon village qui ont dit non. Non, nous ne serons pas des algues mortes. Et elles ont couru de porte en porte. Et les anneaux d'or se sont accumulés quartier par quartier. Et de chaque quartier de mon village s'en sont venus des files de jeunes femmes portant des chaînes d'or. L'expert a reconnu que là-dessus, on pouvait prêter plus de 4 millions.
et les sages ont pensé qu'il y a parfois dans un cœur de femme plus de sagesse que dans une tête de vieillard. Et c'est avec l'or des chevilles des femmes, avec l'or de la tradition, que mon village a acheté le bateau du travail, le bateau du présent, germe de la flottille de l'avenir. Et en ce matin de notre indépendance, les hommes de mon village, sur le bateau au pavillon claquant, sur notre bateau, sous notre pavillon, ont salué les femmes de mon village. Car elles ont maintenant la cheville plus légère, mais la tête plus haute et plus fière, tournée vers l'avenir.